Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es bon, Seigneur, et tu nous aimes. Tu as donné ton Fils unique, Jésus, pour nous. Tu es venu nous sauver, nous délivrer et nous donner la vie en abondance avec toi. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ton peuple. Chacun qui a quitté sa maison, Seigneur, pour venir te célébrer, t'adorer en ce lieu, en ce moment précis. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur, au travers de ta parole. Nous voulons que tu puisses nous enseigner. Que tu puisses, mon Dieu, nous parler. Que tu puisses te révéler à nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-moi l'onction, Seigneur, pour prêcher ta parole avec force et vie. Et que ta parole tombe dans la bonne terre. Que nos vies, Seigneur, soient boostées, bénies. Que nous puissions comprendre et saisir ta pensée, ta vision, dans le nom de Jésus-Christ. D'avoir ainsi prié, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour la tournée. Bonjour à tous. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Alors dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Ah, il t'a pas bien entendu. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Salut celui à gauche, à droite, derrière. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire trois textes. Le premier se trouve dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Ensuite, nous lirons Habacuc chapitre 2, verset 1 à 3. Et enfin, nous allons lire Genèse. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui avait été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, il y a un temps pour chanter, pour chercher plutôt, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour garder, un temps pour jeter, et le verset 7, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Et j'ai vu à quelques occupations, Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même il a mis dans le cœur de l'homme, dans le cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qui fait.
du commencement jusqu'à la fin. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un temps pour chaque chose. Habacuc chapitre 2. Habacuc chapitre 2. Le verset 1er au verset 3. Il est dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie et grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et regarde ton voisin, dis-lui, la parole de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Dis-le-lui avec beaucoup plus de vie. La parole de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset 14. Enfin, le verset 37 au verset 44. Genèse 41, le verset 14. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et le verset 37 à 44, le verset 37 à 44, la Bible dit, ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses et qu'il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison, car et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de la main et le mit sur la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et il mit un collier d'or au cou. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule « Le temps de Dieu ». Le temps de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Et le temps est très important dans la lancée, dans le message que nous avons commencé depuis dimanche dernier pour faire des exploits avec Dieu, avoir la vision de Dieu. Connaître la notion de temps est très important. On nous parle dans des fils d'Issachar, par exemple, qui savaient discerner le temps pour savoir ce que Israël devait faire. Parce que le temps est très important. Donc, par rapport au temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. La Bible l'appelle éternel. Et en tant qu'éternel, il n'a pas de commencement de jour et il n'aura point de fin de vie. Il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Personne ne l'a créé. Il existe. D'ailleurs, la Bible l'appelle l'ancien de jour et l'ancien de temps. Il est en dehors du temps. Il vit dans l'éternité. Mais cependant, par rapport à la création, Dieu vient lui-même et il vient se positionner dans le temps pour marcher avec les hommes parce que nous sommes dans le temps. Le temps des hommes. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu va parler en disant, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dira tout de suite que Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un jour et il y eut une nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et c'est là que le temps a commencé, au commencement. Et par rapport au temps, Dieu se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Donc quand on dit qu'il est l'alpha, ça veut dire qu'il est le commencement de tout. Quand on dit qu'il est l'oméga, il est la fin ou la finalité de toute chose, mais par rapport à ce qu'on appelle le mot temps.
Et nous, nous vivons dans le temps. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes soumis au temps. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu es chronométré par rapport au temps. Avant de venir au culte, tu as dû te réveiller pendant un temps, tu as dû te préparer, tu as dû prendre ta voiture ou les transports en commun pour te retrouver ici. Et après, quand le culte finira, tu partiras, tu as des rendez-vous. Et le lundi, la semaine va commencer, tu vas vaquer à tes occupations. Et toute chose que nous faisons dans ce bas monde, nous le faisons en fonction du temps. Il est composé de secondes, des minutes, des heures, des journées, des jours, des semaines, des mois, des années, ainsi de suite. Ça, c'est le temps dans lequel nous sommes soumis. Et la Bible nous dit, frère, qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais minimiser l'aspect temps. Car il y a des personnes qui pensent qu'ils ont toujours le temps. Remettre toujours au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, quoi que je fasse, un jour je mourrai. Et regarde ton voisin, dis-lui un jour. Je sais qu'on n'aime pas souvent entendre ça, mais il faut quand même rappeler ces choses pour que nous soyons conscients de certaines choses. Dis-lui un jour. Regarde-lui avec un beau sourire. Dis-lui un jour. Tu mourras. Des hommes imminents ont existé. Il y en avait qui pensaient qu'ils étaient éternels. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Seul Dieu est éternel. Seul Dieu n'a pas de commencement et n'aura pas de fin de vie. Et Jésus nous dit qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Et certaines choses dans les promesses que Dieu nous donne, on a l'impression que quand le temps passe, c'est comme si Dieu est absent, Dieu est en dehors de nos vies. On prie, on fait des choses, on travaille, on a des projets, mais des fois on n'arrive pas à aboutir. On a l'impression que certainement Dieu nous a oubliés. Car ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que nous avons tendance à penser que Dieu ne fait jamais les choses au bon moment. Mais la Bible nous dit qu'il y a le temps des hommes, mais aussi le temps de Dieu. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire, il ne peut pas faire des grandes choses, des belles choses dans ton temps, dans ton calendrier, selon ton programme. Tu as ton programme, mais Dieu a aussi son programme. Alléluia. Tu pries un Dieu illimité. Tu pries un Dieu qui est capable de tout. Le Seigneur dit, j'agirai, qui s'y opposera? Quand Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne, il ne demande la permission de personne. C'est pour cela, si tu es un enfant de Dieu et que tu as la promesse de Dieu, sache que Dieu est fidèle par rapport à sa parole, par rapport à sa promesse. Attends juste le temps de Dieu. Mais on n'attend pas le temps de Dieu dans la passivité. Beaucoup de personnes disent, oui, j'attends le temps de Dieu. Dieu dit, il va me bénir, il va m'utiliser, il va me faire ceci. Mais on croise les bras et on attend. Ce n'est pas comme ça. Attendre le temps de Dieu, c'est-à-dire se mettre dans les conditions pour que ce que Dieu a promis commence à venir. Mais entre-temps, tu te mets à travailler, tu te mets à chercher Dieu, tu te mets à te préparer. Parce qu'au temps voulu, le Seigneur viendra pour dire que ton heure est venue. Frères et sœurs, souvent nous sommes trompés par des faux raisonnements. Laissez-moi dire à une personne, si tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu a déjà tout programmé dans son calendrier. Amen. Dieu est précis. J'aime même la réflexion d'un homme qui a dit, Dieu, il a une précision scientifique. Quand Dieu fait les choses sont tellement précises et d'une exactitude mathématique. Il est plus scientifique que nous tous. L'architecte par excellence. Alléluia. La preuve, regarde juste ta personnalité. Regarde juste comment tu es. Tu verras qu'il ne s'est pas trompé. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu ne se trompe jamais. Dis avec moi, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Est-ce que tu peux le redire? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Selon le temps des hommes, on peut dire non, c'est fini, c'est trop tard. Moi, des gens m'ont dit, lui, c'était fini pour sa vie, il y a quelques années de cela.
c'est trop tard, il ne peut plus jamais avancer. Quand tu te retrouves dans des situations difficiles, selon le calendrier des hommes, le programme des hommes, lorsque un homme épouse une femme, on attend un an pour que la femme devienne enceinte. Oui ou non? Et chez les Africains, quand ça n'arrive pas, on commence à appeler le beau-fils. Beau-fils, dis-nous, est-ce qu'il y a un problème? Mais même s'il y avait un problème, même si je ne pouvais pas concevoir, même si j'avais une situation qui était comme bloquée, mais parce que je suis en alliance avec Dieu, Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile au milieu de vous. C'est-à-dire, même quand la situation n'arrive pas ou n'est pas débloquée, je veux dire à une personne, à un homme, à une femme, que le temps de Dieu, lorsqu'il sonne, Dieu ne regardera pas le problème, la situation, la réalité. Le temps de Dieu va faire que Dieu va changer la réalité en ta faveur. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, si tu veux réussir avec Dieu, sache que tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas... Voilà. Si on vous dit que les choses sont faciles, la vie est facile, on vous ment. Si on vous dit que même la vie chrétienne est facile, c'est du mensonge. Mais même si c'est difficile, Dieu a dit c'est possible. Dieu a dit que c'est possible et il va changer les choses en notre faveur. J'ai un message pour quelqu'un. Ne désespère pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne désespère pas. Dis-lui, ne désespère pas. Un jour, le Seigneur Jésus était, on lui est venu lui dire que Jaïrus, sa fille était malade et devait mourir. On est venu appeler le maître, et le maître qui est rempli de compassion, quand on lui a dit, il a commencé à partir vers la maison de Jaïrus. Et en cours de route, il y a eu une femme qui avait la perte de sang et qui a interrompu la course de Jésus. Et cette femme se disait, si je puis ne fût-ce que toucher le pan de son vêtement, alors je serai guéri. Et regardez. Et pendant qu'elle recevait son miracle, il y avait comme un semblant de retard. Jésus n'est pas arrivé à l'heure, à temps, dans la maison de Jaïrus. Et quand il arrive, on dit, c'est trop tard. Oh, j'aime quand les hommes disent, c'est trop tard. N'aie pas peur du langage des hommes en disant, c'est trop tard. C'est trop tard, tu as déjà 45 ans, tu ne peux plus avoir des enfants. Oh non, c'est trop tard, toi tu ne peux plus avoir des papiers, tu ne peux plus réussir. Oh non, c'est trop tard, à ton âge là, quel est cet homme qui va t'épouser? Laisse-moi te dire, ça c'est le langage des hommes en disant, c'est trop tard. Quand Jésus est venu, Jésus avait un seul mot, une seule parole. Il dit, Jaïrus, ne crains point. Crois seulement. Et je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Quand Jaïrus a cru, sa fille a été ressuscitée. Le temps de Dieu, enfin, pour vous dire, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais à l'avance. Il fait toutes choses belles en son temps. Et aujourd'hui, avec la pression de la vie, de la société, quand nous regardons autour de nous, nos amis, nos collègues, les gens de notre génération, des fois nous avons tendance à penser que nous sommes en retard. Si tu es un enfant de Dieu sérieux, qui craint Dieu, sache que tu n'es pas en retard. Amen, amen. Crois seulement. Et dans Habakkuk chapitre 2, le verset, premier verset 2, je le dis hier ici, le Seigneur parle à Habakkuk. Et il lui dit, si vous lisez déjà le chapitre 1er, le verset 6, alors que Habakkuk se posait des questions, le thème même de son message, c'était du doute à la foi. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous amènent des fois à douter de Dieu. Laissez-moi vous dire, même moi, ça m'est arrivé déjà de douter un peu. Est-ce que ce Dieu-là vraiment est réel? Ça arrive. De penser, de dire, mais si Dieu est réel, si Dieu existe, mais pourquoi ma situation est comme bloquée? Dieu lui dit, je veux faire en vos jours une œuvre que personne ne croirait si on la racontait. Une œuvre glorieuse. Et le Seigneur dit à Habakkuk, il dit, dis à ce peuple de ne pas être effrayé, d'écrire la prophétie. Oh, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu te dit, écris la prophétie de ta vie. Quand
Dieu te parle, il te dit des choses, ne pense pas qu'il n'est pas capable d'accomplir ce qu'il dit. Simplement, il va attendre le temps favorable. Frère et soeur, ce temps-là, tu as beau prier, jeûner, ça ne dépend pas d'abord de toi. Ça dépend d'abord de Dieu, mais aussi de ce que toi tu peux faire comme activité pour que Dieu puisse étendre sa main. Il lui dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Frère, soeur, c'est une prophétie, c'est un message dont le temps est déjà fixé. Quel temps? Le temps de Dieu. Le temps est déjà fixé. La Bible dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, Dieu te dit, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te dit que je ferai de toi ceci ou cela, les réalités vont pouvoir venir à mettre un doute en toi, dans ton cœur, dans ton âme. Mais le Seigneur te dit, attends la prophétie, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Et c'est le cas de cet homme, Joseph. Joseph, un enfant de Dieu. Joseph, fils de Jacob. À l'âge de 17 ans, le Seigneur lui donne des songes. Le Seigneur lui donne un rêve. Le Seigneur lui montre comment est-ce qu'il allait le lever dans sa famille. Comment il allait faire de lui carrément le leader de toute sa famille. Joseph va raconter ce songe à ses frères. Nous connaissons l'histoire. Et la Bible dira que ses frères vont le haïr. Ils voyaient son père qui était l'image du soleil, sa mère l'image de la lune, et les 11 étoiles venir et se prosterner devant Joseph. J'ai l'habitude de dire ceci, frère. Ce n'est pas parce que Dieu veut utiliser l'autre que Dieu ne veut pas t'utiliser. Ce n'est pas parce que Joseph était une étoile que les frères de Joseph n'étaient pas des étoiles. Alors ils ont oublié qu'eux-mêmes aussi étaient des étoiles et ils ont commencé à avoir de la haine et de la jalousie. Oh, quand tu as la promesse de Dieu, ne sois pas jaloux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu as la promesse de Dieu, ne sois pas jaloux des autres. Bénis Dieu pour ce que Dieu fait avec les autres. Tu vois les autres réussir, les autres avancer, dis je rends grâce à Dieu. Mais ce que je sais, mon tour aussi arrive. Regarde ton voisin, dis-lui toi aussi tu es une étoile. Dis-lui toi aussi tu es une étoile. Quand Joseph a dit, je voyais le soleil, la lune et les 11 étoiles venir se prosterner, ils sont devenus furieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement qu'ils avaient la haine, ils ont vendu Joseph. Et Joseph se retrouve où? Il se retrouve en Égypte, vendu déjà par cette troupe d'étrangers qui vont l'emmener et le vendre à leur tour chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, il était comme un esclave dans la maison de Potiphar. Frère, sœur, tu peux avoir la promesse de Dieu et vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Très souvent, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des promesses, la première chose que nous allons rencontrer ou nous allons vivre, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu te dit, je vais te rendre riche. Tu rentres, tu sors de là, tu vois pauvreté, mais tu manques même un euro. Tu dis, mais est-ce que Dieu vraiment a dit la vérité? Dieu dit, je veux t'utiliser, je veux t'ouvrir des grandes portes. Et c'est en ce moment même, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Non, je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, cela veut dire qu'il y a le processus de la parole qui est rentré en œuvre. La Bible dit, le grain de blé ne peut pas porter du fruit tant qu'il n'est pas mort. Quand Dieu parle, la parole de Dieu qui est comme une semence, elle tombe à terre. Mais il y a déjà un temps que Dieu a prévu. Attends juste le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne va pas avant le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu et tu verras. La Bible dit, ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Ça, c'est des choses que je vis souvent. Quand les gens viennent me voir, ils me disent, Seigneur, par homme de Dieu, pardon, Dieu nous a montré ceci pour toi, Dieu nous a dit ceci pour toi. Je vous assure, la première chose que je vis, c'est le contraire. Il dit, ah! Mais je suis venu dire à quelqu'un,
ce n'est pas parce que ce que Dieu a dit, tu ne le vis pas, que tu ne le vivras pas. Joseph était là triste. C'est tellement il pleurait. C'est tellement il se lamentait. C'est tellement il se posait beaucoup de questions. Le voilà. Mais il était fidèle. Dans la maison de Potiphar, fidèle, il travaillait. Mais parce que Dieu était avec lui, la Bible dira que Dieu va faire prospérer la maison de Potiphar. Alléluia. Et toujours dans la maison de Potiphar, alors qu'il pensait que l'élévation allait venir de la maison de Potiphar, Dieu dit non, ce n'est pas ici. Je t'ai juste amené ici pour te former. J'aimerais dire à une personne, toutes les étapes de ta vie, considère ça comme une formation. Tout ce que tu vis, positif ou négatif, c'est une formation pour toi. Donc ne te mets pas là à pleurer, à te lamenter. Il a dit, ne crains point, crois seulement. Et j'aimerais que tu rentres avec cette parole. Ne crains point, crois seulement. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu dit, ne crains point à son peuple 365 fois. Et en même temps, dans une année, il y a combien de jours? Ah, 366, quelqu'un dit. Mais j'aimerais te dire que pour chaque jour, tu as un comprimé, ne crains point. Alors, touche ton voisin, dis-lui ne crains point. Dis-lui ne crains point. Beaucoup de personnes ont des problèmes et ils commencent à craindre, à se poser des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'entend? Plus tu pries, plus la situation s'empire. Tu pensais que tu vas sortir de la retraite, ça va être facile. Tu sors encore de là, tu as l'impression que c'est un peu compliqué. Ne crains point. Crois seulement. Alléluia. Joseph était là, il se disait, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Ça peut être le cas de quelqu'un. Mais Dieu te dit, ne crains point. Il était là fidèle. Malgré le fait qu'il a été courtisé par la femme de Potiphar, Joseph n'a pas péché. En attendant le temps de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut chercher Dieu dans la prière. Deuxièmement, il faut fuir le péché sous toutes ses formes. Je vous dis, si vous craignez Dieu, tôt ou tard, Dieu va vous justifier. Tôt ou tard, Dieu finira par vous élever. Il dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Alléluia. Joseph était fidèle. Il est resté fidèle. Fidèle à Dieu. On a pris son manteau, on a pris sa tunique. On l'a accusé faussement. Ah, le jeune hébreu que tu as amené ici, il a voulu me violer. Il a voulu me détruire. Mais Joseph savait qu'il n'avait rien fait. Il était innocent. Dans ton innocence, Dieu te voit. Je voudrais dire à quelqu'un, tout le monde peut dire des mensonges sur toi. Mais Dieu seul connaît la vérité. Et la vérité, toi-même, tu la connais dans ton cœur. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. Mais c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est pourquoi ne conjugue pas ta vie par rapport à ce que les gens disent. On a dit qu'il paraît que laissez-les parler. D'ailleurs, si les gens ont des bouches, c'est pour parler. Laissez-les parler. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Les gens ont parlé de Job. Ils ont dit non, si Job est dans la souffrance, c'est que Job a péché. Job s'est justifié lui aussi. Il dit non, je n'ai pas péché. Parce qu'il comptait sur sa justice. Dieu lui a dit, je ne peux pas te justifier. Parce que la justice d'un homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. Mais le jour où Job a reconnu que Dieu était capable de tout et que rien ne pouvait s'opposer à sa volonté et que c'est Dieu qui justifie, ce jour-là, Dieu l'a justifié. Dieu l'a rétabli. Mon frère, ma soeur, ne marche pas par rapport à ce que les gens disent. Je peux parler à quelqu'un. Ne marche pas par rapport aux on-dit. Dans ta famille, on dit ceci. Dans ta famille, on dit cela. Ce n'est pas ton problème. Toi, dis-toi, qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie et obéis à ce que Dieu dit. Reste intègre, reste fidèle, reste pur, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sanctification. Le temps de Dieu arrivera au moment où toi-même tu t'attendras le moins. Oh, quand Dieu va se dire c'est aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu c'est l'aujourd'hui de Dieu. Si Dieu se lève pour dire c'est aujourd'hui, qui va le faire à soi pour dire ce n'est pas possible?
Joseph y pleurait. J'aime beaucoup cette histoire. Tant de fois je médite sur Joseph. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Il est resté intègre. Il a continué à chercher Dieu. Il a continué à se développer. Pendant que tu vois que les choses n'arrivent pas, continue à te développer avec Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature. Continue à grandir chez toi à la maison. Amplifie l'intimité avec Dieu. Entre dans ta chambre, cherche Dieu. Prie le Seigneur. Adore-le. Médite la parole. Fais l'œuvre de Dieu. Travaille. Tu as des projets, mets-le, couche-le sur papier, travaille sur ça. Même si personne ne croit à tes projets, laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu et toi qui doivent croire à tes projets. N'attends pas que quelqu'un croie à ton projet à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Car il y a des gens qui sont tellement, ils aiment d'abord que les gens les reconnaissent pour qu'eux-mêmes reconnaissent ce qu'ils ont reçu. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Joseph était là. Dans la prison. Il se retrouve en prison. Il dit, moi, avec mes visions, les songes, je me retrouve en prison. Oui, en prison. Est-ce qu'il avait prié dans sa langue maternelle? Est-ce qu'il a pleuré, lamenté? Il s'est lamenté. La Bible ne dit pas. Mais même dans la prison, la Bible dit qu'il était fidèle. Regarde ton voisin, dis-lui, sois fidèle. S'il te plaît, dis-lui, rappelle-le-lui, dis-lui, sois fidèle. Même dans la prison, c'est-à-dire même quand tout est noir, ton avenir est noir, la situation administrative compliquée. J'ai donné un témoignage ici. À l'époque, quand nous sommes arrivés, nous avions demander, être régularisé. J'avais un visa. On a demandé la régularisation pour avoir la carte de séjour. La préfecture a refusé. Et un jour, on a mis la main sur moi par la police. Et arrivé au poste de police, on a dit, monsieur, on vous libère, mais on vous donne un ordre de quitter le territoire français. Regarde ton voisin, ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte. Non, j'aimerais que tu lui dises. Je suis en train de parler. Vous savez, hier, aujourd'hui, je n'arrive pas à préparer un enseignement. Je m'ai dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont besoin de que leur foi augmente parce qu'ils vont voir Dieu à l'œuvre. On m'a donné un ordre. Dit, monsieur, vous devez quitter le territoire français sous donne combien? Un mois. Moi, on m'avait donné un mois. Et le lendemain, je viens à l'église. Un homme de Dieu me dit, tu es français, tu parcouriras le monde. Je crois qui? Non, je te pose la question. Je crois à qui? Frère, soeur, la Bible dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Même s'il faut être soumis aux autorités. J'ai préféré obéir à Dieu. Frères, ça va faire aujourd'hui 10 ans, on a reçu la nationalité et on parcourt le monde. C'est pour dire ce que Dieu dit, il va le faire. Ne regarde pas ta situation. Tu es parti pour demander un crédit, on t'a mis refus. Continue encore, cherche encore. Je suis venu te dire, une porte va s'ouvrir. Dieu va t'ouvrir une porte parce que quand le temps de Dieu va arriver, personne ne peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a promis. Tu vas exceller. Dis amen. Tu vas exceller. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas exceller. Tu vas exceller. Qui veut exceller ici? Nous tous. Qui veut réussir? Ah, moi, je ne veux pas échouer. Tu vas exceller. Tu vas réussir. Amen, amen, amen. Alors, ne sois pas inquiet. Sache que Dieu t'a fait une promesse. C'est peut-être une conviction en toi par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est peut-être une prophétie que tu as reçue. Une parole venant de Dieu. Ne désespère pas. N'abandonne pas la foi. Ne désespère pas. Crois à cette parole. Écris cette vision-là sur ton mur. Ce que Dieu t'a dit là, écris-le sur le mur. Chaque jour, lis-le. Quand
quand la réalité te dit c'est impossible, toi tu lis, tu dis rabababa, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tu crois et la situation se changera. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation que tu traverses, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a le temps des hommes, mais il y a aussi le temps de Dieu. Quand Dieu se dit son temps arrive, personne ne va t'arrêter. Joseph en prison, il a interprété les sons des gens et les gens qui sont sortis de la prison l'ont oublié. Dieu peut permettre que les gens t'oublient. Les gens à qui tu as fait du bien, tu te disais, moi le jour je serai en galère, cet homme-là, cette femme-là va m'aider. Et voici comment toi tu te retrouves en difficulté, personne n'est là pour t'aider. J'aimerais te dire, même si tu n'as personne pour t'aider, il y a Dieu au ciel qui vient pour t'aider. Et il va t'aider et il va te faire rentrer dans ta promesse. On nous a parlé d'ici, il y avait un paralytique qui était là couché à Bethesda. Pendant 38 ans. Vous savez pourquoi il était là pendant 38 ans? C'est parce qu'à chaque fois, il se disait, je n'ai personne pour me jeter. Tu n'as pas besoin des gens pour accomplir la vision de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux encore parler? Tu n'as pas besoin d'abord des gens. Tu dois compter sur Dieu. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, il aplanira tes sentiers. Il te fera briller. Il te fera réussir. Tout le monde t'oublie. Tout le monde t'abandonne. Ah, quand tu seras bien, souviens-toi de moi. Et le jour où il est bien, il t'a oublié. Ne sois pas en colère quand les gens t'oublient. Je peux aider quelqu'un? Tu sais pourquoi tu es des fois en colère? Tu es souvent aigri. Parce que tu avais trop mis ta confiance en l'homme. Voici pourquoi le jour où l'homme t'a oublié, tu es aigri. Mais quand tu te confies en Dieu, dis-toi, ce n'est qu'un canal. Si ça ne passe pas par lui, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Amen, amen. Si ça ne passe pas par moi, ça peut passer par ton voisin. Ne sois pas aigri. Un homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera point. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Un homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Jésus dit, la Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même la femme oublierait l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Si ça n'arrive pas, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore là. Je bénis Dieu parce que la promesse va s'accomplir, même si aujourd'hui ça ne va pas, mais je rends grâce à Dieu car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je suis venu te dire, il fera les choses qu'il a promises en son temps. Oh, j'aime cette chanson. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Qu'est-ce qu'il faut faire? Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Je dis oh, oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Thank you.
Même quand c'est difficile, n'abandonne pas. Même quand c'est dur, n'abandonne pas. J'ai souvent l'habitude de dire, il y a une différence entre les champs de maïs et les champs de cacao. Les champs de maïs donneraient un rendement rapide. Oh, mais le prix, ça ne sera pas fort. Mais le champ de cacao, même si ça tarde, même si ça prend du temps, le jour tu auras le rendement. Oh, tu béniras le nom du Seigneur. Même si c'est difficile, persévère, n'abandonne pas la foi. Ne te dis pas, Dieu m'a oublié, Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Entre le moment où Joseph a eu la vision et entre le moment où la vision s'est réalisée, il y a eu 18 ans. Quand on lit la Bible, on a l'impression que c'était un an, deux ans, quelques jours. Il y a eu près de 18 ans. Près de 18 ans. Où tu as l'impression que tout est noir. C'est toi qui dis ça dure. Mais dans le calendrier de Dieu, ça ne dure pas. Un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le temps de Dieu pour toi arrive. Le temps où Dieu va régulariser ta situation arrive. Le temps où Dieu va te donner des ouvertures arrive. Le temps où Dieu va dire, bon maintenant ça suffit, tu as longtemps pleuré. Un jour Joseph était là, tout le monde l'a abandonné. Les gens l'ont critiqué, l'ont vendu. Il n'avait personne à qui se confier. Quand tu n'as personne, sache que Dieu est toujours là. Dieu ne t'abandonnera jamais. Un jour, le roi va avoir un songe. Et qui est-ce qu'on va chercher? C'est Joseph. Je suis venu te dire que le temps arrive. Oh, où on viendra te chercher. Où on te dira ton temps est arrivé. On a regardé partout. Il n'y a personne qui a les capacités que tu as. Il n'y a personne qui a les talents que tu as. Il n'y a personne qui a ce que tu as. Tu es la bonne personne pour cette entreprise. Oh, tu n'as pas compris. Tu es la bonne personne pour cette affaire. Tu es la bonne personne pour cette opportunité. Tu es le bon ministre pour ce ministère. On viendra te chercher parce que quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas. Quand le temps de Dieu arrive, les choses deviennent faciles. Oh, dis, je le crois, je le crois, je le crois. Seigneur, j'attends mon temps. Ça s'appelle le temps Kairos. Le temps Kairos, le temps de Dieu. Le temps des hommes, c'est Chronos. Chaque jour, tu regardes. Tu te disais, avant la fin de l'année, les choses vont se débloquer. Tu regardes déjà, on est en septembre. Tu commences à dire, il reste 3 mois. D'autres encore, donne un ultimatum à Dieu. Dieu, si tu ne fais pas d'ici la fin de l'année, moi, je ne sais, je ne te sers plus. On ne donne pas d'ultimatum à Dieu. Il est le maître. Même de ton souffle, il en est le maître. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est le potier, tu es l'argile. Sois entre les mains du potier. Dis-lui, même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Fais de moi ce que tu veux. Un instrument entre tes mains. Attends le temps de Dieu. Vous qui avez des projets, vous qui travaillez, vous qui voulez voir la main de Dieu, même quand les choses tardent, n'abandonnez pas. Même quand c'est difficile, ne lâche pas. Continue encore. Continue. Va frapper à d'autres portes. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Même si tu as déjà frappé à 10 portes, on te dit toujours refus, on ne te reçoit pas. On ne te prend pas en CDI. Cherche encore, tu vas trouver. Alléluia. Cherche encore, tu vas trouver. Le temps de Dieu. Par rapport au temps, il faut savoir que le temps est un mystère. Dieu ne nous explique pas toujours tout. Pourquoi il fait certaines choses avec nous? Il ne nous explique pas. Quelquefois, on est un peu écrit parce qu'on aimerait avoir une explication logique, quelque chose de rationnel. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi moi? Vous savez, quand vous souffrez tellement, vous avez l'impression que votre souffrance dépasse la souffrance de tout le monde sur la terre. Dieu sait pourquoi tu souffres autant. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Alléluia. Le temps de Dieu. Il finira par agir. Amen. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui veulent l'intervention de Dieu dans leur vie. Le projet. Ils veulent voir Dieu agir dans leur famille. Même moi qui vous parle, je suis concerné.
des choses que Dieu dit. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as promis des choses. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, c'est mon temps. Je fais toutes choses belles en mon temps. Toi, tu as ton calendrier. Toi, tu te disais, cette année, ceci. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors, tous ceux qui ont des projets, qui veulent voir la main de Dieu, levons-nous là où vous êtes. Levez-vous. Merci. Venez, venez devant ici, venez par ici. Même s'il n'y a pas beaucoup de place, aidez-moi juste à enlever les paniers, mettez-vous là. Peu importe le projet, tu sens, tu as l'impression que ça tarde. C'est compliqué, c'est difficile. Et là où tu es, la chorale, merci. Venez m'aider, la chorale. Vous, si vous êtes concerné, ok. Juste le piano alors. Tenez-vous là, tenez-vous là. S'il n'y a pas de place, approchez juste là. Merci. Levons tous nos mains, vous tous qui êtes devant. Jérémie s'est écrié, pourquoi ma douleur, ma souffrance est-il continuelle et ma douleur ne veut pas se cicatriser? Pourquoi? Pourquoi? Dieu seul sait pourquoi. Alors que nous avons nos mains levées, dis à Dieu, je m'abandonne entre tes mains, j'abandonne mes projets entre tes mains. Commence à prier le Seigneur. Il connaît parfaitement la situation. Il maîtrise tous les paramètres de ta vie. Il maîtrise, je te dis la vérité, Jésus maîtrise. Moi je ne maîtrise pas, toi tu ne maîtrises pas. Tu as étudié mais tu as échoué. Tu t'es donné mais ça n'a pas abouti. Tu t'es battu mais ça c'était comme coincé. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je veux voir ta main. Prie avec moi. Dis Seigneur, je veux voir ta main. Je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta main dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Kurebo shendere bokoria baraba shendere bokoria baba. Kendere bo shendere bokoria baba baba yandaraba sandaraba. Réponds-toi devant sa présence. Dis, voici mes projets. Voici mes projets. Où es-tu, Seigneur? Interviens. Dis, Seigneur, voici mes projets. Où es-tu, Seigneur? Interviens. Peu importe le projet. Projet de mariage. Projet de mariage. Projet d'entreprise. Projet, je ne sais pas, d'études. Tu as peut-être échoué. Ça n'allait pas. Tu n'as pas ce que tu veux. Projet sur le plan administratif. Dis Seigneur, interviens. Interviens s'il te plaît. Mes mains sont levées. Mes mains sont levées. Mes mains sont levées. Interviens Seigneur. Interviens Seigneur. Interviens Seigneur. Interviens Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Ce matin nous soupirons après Dieu. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Continue à prier. Réponds ton âme devant Dieu. Je n'ai personne d'autre que toi. Mon mari, ma femme qui ne veut pas prier. Mes parents qui me persécutent. Je n'ai personne d'autre que toi. Interviens. Touche. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Agis, interviens. Oh Seigneur, je te prie pour ton peuple.
ce peuple, Seigneur, qui est ici devant. Ce peuple qui a des projets avec Dieu. La Bible déclare, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Il est impossible en tant que ton fils, ta fille, de faire des exploits sans Dieu. Alors nous venons nous associer à toi. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Alors que nous attendons que tu agisses dans nos vies, affermis notre foi. Soutiens notre foi. Garde nos cœurs, Seigneur, en toi et dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur.